éviter la pornographie ou masturbation visuelle. Beaucoup d'enfants de Dieu prient beaucoup, mais leur affaire de porno, hein, tu te rappelles? Si tu prends leur portable, que tu tapes dans le bas de recherche de Google Chrome, site pornographique qui a sorti, toi-même tu vas te dire, mais où est le verset biblique qu'elle lit tous les jours? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu ne veux pas prendre une direction, tu veux t'éloigner de quelque chose. Et c'est toi qui prends le temps de regarder toutes sortes de positions et toutes les manières de pénétration. Tous les sons de gémissement. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de faire des semences dans ton esprit? Toute masturbation visuelle mène à deux choses. L'ébat sexuel ou la masturbation physique. C'est ces deux semences-là que ça met en toi. Parce que c'est des choses qui t'aident à nourrir le désir. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire, les choses comme la sodomie sont répandues à cause de quoi? Les gens ont vu ça où d'abord? C'est dans les films pornographiques. Un moment donné de la vie, c'était sale dans l'esprit des gens. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Mais ça vient d'où, cette mode-là? Ça vient d'abord de ce que les gens ont regardé. Et encore, les films pornographiques sont allés à un autre niveau. Où trois hommes sur une seule femme. Ça en vaut aujourd'hui la mode des patous. Aujourd'hui, la jeunesse est dans ça. Même la vieillesse est dans ça. Vous savez de quoi je parle? Pourquoi vous vous jetez? Beaucoup sont devenus pervers, des pédophiles qui aiment les enfants. Ça vient d'où? Ça vient de là-bas. Il y a tellement d'éducation, mais une éducation pervertie, ratée, mais que des gens ont eu à voir à partir de ce qu'ils regardent. Pour toi, tu es en train d'apprendre à savoir faire. Beaucoup se disent ça. Je regarde pour savoir comment faire. Mais j'ai envie de te poser une question. Quand tu es venu au monde, qui t'a dit un jour, à un certain âge, quand tu te laves, là, tu dois mettre ta main comme ça? Quelqu'un t'a dit ça? Ça vient seul. Qui t'a montré un jour comment on mange? C'est venu seul. Il y a des choses là. Ça vient seul. T'as pas besoin d'apprendre au porno là-bas. Encore moins dans la pornographie. C'est des choses qui vont semer en toi, mais un déséquilibre. Tu veux pouvoir éviter certaines choses? J'ai envie de te dire, quand tu es face à certaines situations, ton esprit t'envoie des clichés de ce qu'il a déjà vu. Parce que nous sommes dans un monde image. Et si je te dis le lion, tu le comprends bien, dans ton esprit, tu as une image du lion. Donc quand je te parle de la pornographie, elle te donne une image du plaisir. Voilà pourquoi les acteurs s'arrangent à faire ressortir dans leur visage un plaisir qu'ils ne ressentent souvent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder ce cliché du plaisir là dans ton esprit. Et c'est à partir de ce cliché du plaisir là que le désir se manifeste aussi en toi. Et pendant que tu es en train de regarder, papy toi aussi se réveille. En tant que tu es seul dans la chambre, il n'y a personne. Mais cette résurrection, elle vient d'où? Elle vient du fait que tu ressentes que deux personnes vivent un plaisir. Et ça stimule en même temps ton corps dans la dimension du plaisir. Ça te transporte. Donc c'est pour te dire que si c'est capable de te transporter, c'est que ça t'influence. C'est que c'est capable de t'envoyer ça devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'avant de regarder, papy tout s'était pas réveillé. Et quand il s'est réveillé, c'est pas pour pisser. Toi-même tu sais. Tu sais pourquoi il s'est levé. C'est parce que quelque chose est né dans ton esprit. C'est un désir. Un désir de pratiquer ce que tu vois. Mais tu penses que quand ce désir est nourri dans ton esprit en tant que jeune homme, bien jeune femme, bien homme ou femme, quand ce désir est nourri, le jour où tu as l'opportunité, tu penses que ton corps va se priver de ce plaisir? Jamais. Parce que toutes tes molécules seront en accord avec le fait de vivre ce que tu as eu l'habitude de regarder. Tu veux triompher et c'est toi qui as les revues pornographiques. C'est toi qui as les petites séquences de vidéos pornographiques dans ton portable. Tu les balances même par WhatsApp et tout. C'est toi qui es dans les groupes où les gens s'envoient des nudes. Mais Seigneur, pardonne-moi, la chair est faible. Toi, ta chair n'est pas faible, ta chair est morte. Une chair qui est dans le coma. La foi vient de ce qu'on entend. Il y a deux choses, sinon trois choses qui influencent l'homme directement. Ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qui le touche. Et remarque, c'est à partir de ces trois choses-là que le désir sexuel naît. Deux fois, tu as envie de résister. Mais quand le toucher atteint une certaine dimension, tout ce qui est ta résistance commence à te quitter. Pourquoi? Parce que dans la dimension du toucher, on peut toucher ton esprit et changer tes idées. Parce que tu écoutes, on peut changer tes idées. Il y a des numéros où la personne peut parler avec toi jusqu'à ce que ta semence sorte. Tu sais, tu n'as même pas la voix. Elle causait toi seulement. Causerie là. Tu vois Élie et Moïse venir. Salomon après vient. David rentre dans la maison. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vivre l'apocalypse. Au moins, tu vas voir dedans là. Tu as libéré un obus. Et ça se passe où? Au téléphone. Et si ça prospère, c'est parce que ça marche. Donc la foi vient vraiment de ce qu'on entend. En écoutant des choses érotiques, en ayant des communications trop compliquées, tu peux envoyer ton esprit aller là où tu n'avais jamais voulu aller. Il faut garder ton cœur, il faut garder ton corps, il faut garder tes oreilles, il faut protéger tes yeux. Il faut éviter la masturbation visuelle, la convoitise charnelle. Jésus dit, il vous a été dit que celui qui va avec la femme d'autrui commet l'adultère, mais moi je vous dis que celui même qui convoite dans ses pensées, dans son esprit, la femme d'autrui a déjà commis l'adultère avec elle. Toi, tu dis que tu veux te sanctifier, mais c'est toi qui remarques toutes les jolies filles du pays. Elle est bien. Tout ce qui est bien, toi, tu arrives à voir. Il y a vu une goule à mes larmes. Yeah!
Il a dit, tu as vu son bord. Mais il était beau comme ça. Qu'elle marche même là. Toi, tu as eu le temps de voir jusqu'à comment elle marche. Toujours en train de tourner ta tête. Mais si tu ne veux pas tomber dans certaines choses, ne prends pas le temps de convoiter. La dame a porté son chemisier. Toi, tu ne vois pas la chemise, mais tu vois le trait qui est au milieu ici. Ça dit, est-ce que vous voyez comment quelqu'un est satanique même? Ça dit, il ne voit pas la chemise. Mais le côté décolleté là, lui voit, lui la partie nation un peu. Et puis le trait là. Maintenant, le trait, ça vient être bloqué par quelque chose de la chemise. Maintenant, le reste là, à haut mental. Là. Il imagine maintenant comment le bouton maintenant est coupé maintenant. Et puis comment tout tient pas maintenant? On peut être agressif dans sa tête comme ça. Il y a des personnes qui ont une imagination trop fertile, hommes comme femmes, mais des vices terribles dans votre esprit. Il y a des gens, tu les vois, elles sont assises comme femmes. Tu peux la voir de manière rationnelle, lunettes d'intello, petit truc, longue jupe et tout. Tu as dit, une bonne petite fille. Mais western qu'il y a dans sa tête là. Film d'action qui est dans sa tête là. Que Dieu te protège, ça. C'est la raison pour laquelle Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais dans leur tête, pourri n'est pas pourri. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de se sauver la face en ayant une apparence de piété. Regarde, je parle des choses à d'autres. Il est exagéré. Entends, tu es plus gâté que ça. Mais c'est juste une partie de toi que tu ne veux pas qu'on découvre. Donc, du coup, tu fais la personne qui est un peu gênée, vas-y. Oh, tu dis, dans ton âme, tu dis, ça là, c'est rien, le vieux. Ça là, tu n'es même pas encore touché le problème. Oh, tu n'es même pas encore arrivé sur le problème. Va te documenter encore le père et puis reviens nous enseigner. Parce que l'heure est plus grave que ce que tu enseignes là. La convoitise ne se fait pas par le corps, elle se fait dans les pensées. Comment tes pensées fonctionnent? Comment quelqu'un peut écrire à un pasteur et puis dire au pasteur, pasteur, quand tu prêches, même dans les directs, quand je vois tes lèvres comme ça, là, je mouille. Mais si ce n'est pas au corps mental, qu'est-ce qui peut envoyer cette femme-là à dire ça? Il y a des hommes qui te voient, mais tu mets ta photo comme ça et dis, quand tu portes veste, attends. Toi, tu t'habilles pour t'habiller. Est-ce que tu sais que deux fois, mon ami, quand tu t'habilles, ton pantalon est un peu plaqué, façon, mais tu as porté un polo un peu bien serré, façon, on voit un peu tes muscles. Il y en a, vont se tuer dans les têtes. En plus, il est musclé. Regarde sa barbe, on sait que ça, c'est un homme viril, ça. D'autres, même là, j'ai dit, il y a des femmes, elles regardent tes doigts, calculent ta taille. Hé, Rosa. Ouh. On m'a dit que quand les doigts sont bien gros, gros. Ouh. Moi, je dis, ça, c'est du caviar. On peut être noir dans son âme comme ça. Et tu vois, il y a des garçons mais qui regardent forme de lèvres d'une fille pour imaginer toute la suite. Elle a une bonne bouche, celle-là. Vous savez de quoi je parle? Tout le bureau est calme, mais là-haut, comme mental qui se passe dans la tête des gens, c'est grave. Même film de Jet, il est bon. Mais à un moment donné, est-ce que tu ne penses pas que toutes ces pensées-là te rendent vulnérable? Il faut éviter la dimension de la convoitise. Et pour éviter la convoitise, c'est réglementer tes pensées. Il faut travailler pour sanctifier tes pensées, pour purifier tes pensées, pour combattre. Tu sais que toi, quand tu vois fesse, ta tête va ailleurs. Évite de regarder fesse là. Mais tu veux pas que ta tête aille ailleurs, mais tu regardes ce qui envoie ta tête ailleurs. Tu comptes, tu vois. Tu sens que ça, ce modèle de garçon là, quand tu le croises, il faut que tu fasses ton offrande. Il faut que tu fasses ton offrande. Il faut que tu fasses ton offrande. Là, je vais lui donner. Je vais lui donner. Est-ce qu'il me connaît? En disant rancune. Mais écoute-moi, quand tu veux quelque chose être ton modèle, qui nourrit en toi un certain désir, si tu ne veux pas rentrer dans l'iniquité, évite même le contact.